Salut tout le monde, c'est Christophe Jodien, surtout pour les Breaking News à propos d'une nouvelle console qui va arriver très prochainement sur le marché mondial en fait plutôt parce qu'en fait aussi marché européen et qu'on va aussi retrouver aux États-Unis qui est tout simplement une console de jeu sous Android conçue par Amazon. Et oui, donc Amazon commence à créer un peu une sorte de plateforme de jeux vidéo, sachant qu'en ce moment il y a une nouvelle génération telle que la PlayStation 4, la Xbox One, la Wii U qui est pas une nouvelle génération, enfin c'est un peu compliqué pour cette console qui est un peu de côté, avec bien sûr aussi avec on va dire les dernières caractéristiques sur ordinateur portable. Alors pour vous donner à peu près toutes les informations, en ce moment il y a des fuites en fait à laquelle on peut voir la manette de la console d'Amazon qui est plutôt, c'est vrai qu'elle est elle est plutôt jolie, la manette elle a un bon petit design, bonne petite ergonomie, c'est à dire que lorsque vous allez tenir à la main elle devrait être voilà, vous allez plutôt l'apprécier en fait cette manette là. Pour l'instant on n'a pas plus d'informations, c'est juste que en 2013 Game Informer en fait indique que le site e-commerce travaillerait donc sur une nouvelle console et ça a été confirmé donc cette année là par VG247 qui l'annonce en fait à moins de 300 $ USD dollars, soit environ une somme de 200-220 € normalement donc dans le marché européen. Ce qu'il faut savoir aussi, ça a été annoncé donc par VG247 comme quoi il y aura des exclusivités sur la console à laquelle on ne retrouve pas pour l'instant sur les consoles originales, c'est-à-dire par exemple la PlayStation 4 ou la Xbox One. Il y aura des sortes de grosses exclusivités, ça va permettre de booster un peu la console. Je pense moi honnêtement la console d'Amazon lorsqu'elle va sortir, peu de personnes vont la connaître. Alors c'est sûr il y aura un peu du voilà, les gens vont en parler de cette console là, mais quelque part forcément les gens ne vont pas être forcément intéressés. On entend plus PS4 ou Xbox One que la console d'Amazon. Les gens vont être plus rassurés d'acheter une Xbox One qu'une PS4, excusez-moi, que forcément d'une console Amazon à laquelle on a peu d'informations pour l'instant et à laquelle les gens ne connaîtront pas. D'ailleurs c'est comme on peut en parler par exemple de la console de Nvidia Shield, à laquelle peu de personnes la connaissent. Pourtant voilà, elle fait de la 4K quand même, c'est 4 fois plus que on va dire que la PSP ou des trucs comme ça qu'on retrouve en ce moment sur les marchés au niveau des consoles portables, je parle bien des consoles portables. Donc voilà, faut réfléchir quelque part. Et c'est vrai qu'il y a des consoles qui arrivent, il y a des nouvelles consoles qui arrivent sur le marché en ce moment, mais qui sont moins connues et qui risquent de moi à mon avis ça risque de pas forcément super bien marcher, puisqu'on va dire que les grosses entreprises qui créent ces consoles, enfin les grosses consoles telles que Sony ou Microsoft, vont garder quand même la première, deuxième, troisième place, ils vont rester dans le top des constructeurs de consoles, pour moi il y a aucune logique là dedans donc pourquoi pas avec Amazon. Mais c'est vrai que ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque part, je vois pas faire succès. Dites-moi ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires. Moi, honnêtement, je vois pas faire succès. Je vais vous montrer des petites images qui ont été fuitées de cette console là. Mais c'est vrai que j'ai du mal à percevoir une sorte de buzz avec, même s'il y a des exclusivités. Je sais, Amazon ils sont aussi pétés de fric, ne vous inquiétez pas. Mais à mon avis, ça risque de moins bien marcher, même avec des exclusivités. Sachant que la console est aussi, elle est quand même chère. Elle est 219 €. Je sais que les next-gen elles se basent plutôt entre 400 à 500 €. Mais je pense que les gens préféreront, même si elle est moins chère cette console là dont on n'a pas de nom pour l'instant, je pense qu'ils préféraient quand même acheter une next gen. Après ça c'est mon avis personnel, à vous de voir après ce que vous en pensez de toutes les possibilités, mais en tout cas à propos de ça, ça c'est mon point de vue. Et puis aussi dites moi ce que vous en pensez à propos de est-ce que déjà vous saviez à propos de ce que Amazon allait créer une sorte de console de jeu sous Android. Est-ce que vous le saviez vous pouvez en parler à vos potes pour voir s'ils savaient. À mon avis, ça se sait pas trop quand même. C'est quelque chose qui, ça n'a pas fait une grosse rumeur ou un truc comme ça. Enfin, là, c'est pas des rumeurs, mais ce que je suis en train de vous dire, ça, on n'en parle pas beaucoup. Voilà. Merci pour tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Surtout de me suivre sur ma page, c'est tout personnel. Merci pour tout. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Peace out.